Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve, ce fait de société que nous avons le courage de poser sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation du jour reste une affaire de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, un jeune homme dénonce le comportement de sa belle-mère et il m'interpelle à l'effet de demander surtout aux démineurs leur avis sur comment réagir face à la situation. Alors, il m'a relancé hier pour cela. Il est issu d'un couple qui était marié normalement. Son père et sa mère étaient mariés. Sa mère est décédée. Et son père s'est remarié. Et depuis il est le premier fils de son père et sa belle-mère a eu avec son père, après le décès de sa mère, deux filles. Donc sa mère et son père ont eu un enfant, un garçon, c'est lui. Sa deuxième maman et son papa ont eu deux enfants, deux filles. Depuis 5 à 6 ans, il vivait avec sa belle-mère et son père dans la maison. Et d'après ce qu'il dit, parce que je ne vis pas avec eux, c'est sa belle-mère lui fait vivre le martyre. Donc, elle a commencé, d'après ce qu'il dit, à le séparer de son papa en lui imputant tous les mauvais coups de la maison. Un neveu de sa belle-mère est arrivé et un téléphone s'est perdu dans la maison. Sa belle-mère a dit à son mari que c'est ton fils qui a pris le téléphone que j'avais ici et il doit me le rendre. Au point où son père l'a mis dehors. Il a mené des enquêtes à l'avenue Kennedy et il a pu retrouver le téléphone par le phénomène du traçage. Et quand on a mis la main sur le gars qui avait le téléphone, le gars a montré la photo de celui qui a vendu le téléphone. Qui était le neveu. C'était le neveu de la femme. Mais la femme dit non, il a monté un coup avec le gars de Kennedy juste pour accuser mon neveu. Mon neveu ne vole pas. Je l'ai pris depuis tout petit, je l'ai laissé grandir, je sais comment je l'ai éduqué. Il ne vole pas. Un ordinateur s'est perdu toujours à la maison et le neveu avait pris, sauf que cette fois-là, le jeune homme l'avait vu faire et l'a filmé. Et quand le neveu est allé vendre avec lui, ça a encore fait des problèmes. La belle-mère a dit, il a volé mon ordinateur, il est allé vendre. Il a dit à son père, tiens, regarde. Lorsqu'il prenait, cette fois-ci, c'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vu, voici les images, comment il mettait dans le sac pour partir avec. Sauf que jusque-là, son papa ne l'écoute plus. Son père lui a pratiquement dit, bon, je ne te mets pas hors de chez moi, mais je ne m'occupe plus de toi. Comme tu passes le temps à voler les choses de ma femme, Malgré les vidéos aussi. si tu meurs, je vais t'enterrer comme mon enfant. Et donc, le jeune homme est un peu dérangé, naturellement dérangé par tout ça. Et il avait déjà soumis ce cas à d'autres aînés avant, donc il aimerait avoir d'autres avis supplémentaires sur comment est-ce qu'il devrait réagir face à ce genre de situation. Alors, le jeune homme en question a quel âge? 27 ans. 27 ans. Oui, Il a quel niveau? 96. Il a quel niveau d'instruction? Il a le niveau BTS. Le niveau BTS. D'accord. Et le neveu, qu'est-ce qu'il lui fait dans la vie? Ce qu'il voit, il fait. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. D'accord. Il se Il débrouille. se Cherche un débrouille. travail. Et pour l'instant, il est quand même encore chez son père. Non. Le papa l'a mis dehors. Non, mais il est parti Il a vu de que la c'était un maison. Oui, divin. il est chez un ami, mais toujours ici à Yaoundé. D'accord. Chez un ami qui n'est pas loin des Koumi. Madame Bissoubi, je vais faire appel à votre expérience De femme de mariée. femme mariée Et de mère et de d'enfant. mère d'enfant. Vous êtes vraiment Et peut-être l'une, de belle-mère aussi. voilà, vous êtes Ah, l'une des personnes les mieux indiquées pour en parler avec autorité sur ce plateau. tout à fait. En pareille circonstance, que faisons-nous? Bon, la première chose que je vais dire à ce jeune homme, c'est qu'il a fait l'erreur de partir de chez son père. Parce que le but principal de cette femme, c'est de s'accaparer de tout ce qui appartient à son mari Tout à fait. au détriment de son fils. Deuxièmement, je vais dire à ce jeune homme que ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Et troisièmement, je vais ajouter, on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes aujourd'hui, des femmes qui supportent le mariage malgré les coups. Mais on constate que le malheur des femmes, c'est elles-mêmes qui le créent. Ah bon? Oui, tu es une mère et tu détestes un enfant qui est issu d'une autre femme, cette fois-ci décédée, celle-là n'est même pas partie. Nous avons un cas un peu similaire.
Et malheureusement, cet enfant est décédé il y a quelques jours. Sa mère est partie, elle a laissé à son père. Et puis, il a subi des bastonnades de sa belle-mère. Il est décédé à la suite de ces bastonnades. Quand vous dites de la belle-mère, ça nous dérange un peu. Les Hein? belles-mères, Les c'est. bastonnades de la femme de son père. Oui, c'est sa Là, belle-mère. on Bon, on comprend peut dire bien. sa nourrice. Non, moi, je veux qu'on comprenne bien. Oui, c'est l'épouse Parce de que cette son belle-mère-là, père. ça peut nous créer un peu de confusion. Pourquoi Ça, que c'est vrai. c'est le beau-fils et tout ça. Oui, c'est vrai. Et jusque-là, le mari qui a. L'enfant en est décédé. Oui, l'enfant en est décédé à Incroyable. la suite de ses coups. Et le mari englué dans les charmes mystiques, parce que généralement ces femmes sont les grandes académiciennes des Alain Mimbou, parce que quand tu viens épouser un homme et ton travail principal c'est de détester, ça veut dire que tu es une sorcière. Et cet homme est déjà tout fermé parce que ton unique fils, je ne sais pas ce qui peut te séparer de ton unique fils. Et ne pense pas. Il y a des cas similaires. Aujourd'hui, beaucoup des enfants eus dans des précédents mariages se retrouvent orphelins, abandonnés dans des rues aujourd'hui. Et les hommes ne s'en occupent pas parce que, soi-disant, ils sont amoureux de leur seconde femme. Mais si je vais conseiller à ce jeune homme, c'est, il est déjà mature, il a 27 ans, c'est de se battre pour rester d'abord chez son père parce que c'est le chez lui. Cette femme va hériter peut-être, ou bien elle va être ayant droit peut-être, mais ce ne sera pas à 100% parce que ce qu'elle a trouvé appartient d'abord à la mère de ce jeune homme. Et aussi, je pense qu'elle a forgé son caractère. Il faut qu'il soit un homme aujourd'hui et peut-être il sera le meilleur homme et c'est lui qui va garder cet enfant demain. Parce que généralement, ces enfants qu'on maltraite, ce sont eux qui sont généralement les bénis et qui gardent plus tard soit le père qui est déjà ruiné, soit la belle-mère qui dit: Ah, mon fils, rappelle-toi de moi. Et que deviennent ces sœurs en ces temps-là? Peut-être les sœurs sont aussi alignées à leur mère, ou bien elles ne sont pas d'accord, ou bien Elles oui, sont toutes petites elles en sont fait. petites. Bon, il faut qu'ils les gardent Ouais, comme ses 7 ans et 4 ans. Donc Vous voyez que ce c'est sont des une bébés. mauvaise femme. Et puis demain, quand on va trouver un homme qui te donne les coups de poing comme un homme, tu vas te plaindre. Parce que si cet homme reprend ses esprits et qu'il se rend Donc compte pour vous, que, Madame oui, Bissot, certaines femmes bastonnées méritent parfois la bastonnade. ouais, parce qu'elles sont d'abord des sorcières. Ah, Elles d'accord. sont d'abord des sorcières. Et pour elles aussi, ces sorcières-là, ce sont des coups de poing. Nous sommes en Afrique. Le meilleur traitement, c'est la bastonnade. Et puis, je n'encourage pas la violence. Je n'encourage pas, pour vous dire vrai, je n'encourage pas la violence. Mais la meilleure Mais manière de la traiter une meilleure sorcière, de c'est avec des coups de poing, des gifles. oui, on doit enlever cet esprit maléfique-là. Parce que si elle a une bonne bastonnade après que ce monsieur ait retrouvé ses esprits, franchement, si elle trouve aussi un enfant peut-être qui dit que moi aussi je marche, je pars désenvoûter mon père, elle aura beaucoup à faire en face. De toutes les façons, venant d'une autre femme, qui suis-je pour mettre ces paroles en doute? Les femmes se connaissent mieux entre elles. Oui, nous avons élevé, parfois ici je vais vous Vous dire, je connaissez vous en ai dit quelque détail. part, je suis aussi une belle-mère. Tout à fait. J'ai élevé des enfants de mon mari. Et il n'y a pas, si on ne dit pas que ce ne sont pas mes enfants, on ne peut pas connaître parce qu'il n'y a pas de différence entre ses enfants et mes enfants. Imagine-toi que tu ne sois plus là demain, c'est une autre qui va élever tes Tout enfants. à fait. Donc imagine-toi qu'une sorcière vient te traumatiser le père. Mais entre nous, franchement, il faut vraiment bastonner ce genre de femme. Oui. Merci, hein, Madame Sobiela. Marc Serufin, est-ce qu'il ne faut pas également déceler dans ce que sur ce que nous avons sur la table là, les attitudes d'un monsieur qui manque cruellement de personnalité? Oui, vous avez totalement d'accord. Moi, ce que je vais dire, parce que là, c'est un problème majeur dans la structure familiale et sociale en Afrique, et même quelque part. Et premièrement, ce que je voudrais dire à ses camarades, là, c'est mon petit, parce que 27 ans, je suis son grand frère. Et je vais dire que je les encourage. Et je retiens ici qu'il n'est pas préférable de rester au sein de la famille. Parce que la maman qui a déjà commencé, l'objectif pour la maman, non pas seulement d'écarter l'enfant du père,
Mais il peut arriver à un moment donné, la femme peut être capable de faire du mal à l'enfant qu'il a. Peut-être même de tuer cet oui, enfant. Effectivement, c'est ce que je voudrais dire. Donc, il faut qu'il s'éloigne de son père. Il se commence à battre. Il est déjà l'homme. Déjà 27 ans, certains jeunes sont déjà même avec la femme. Donc, il se battre. Et déjà, comme il est déjà en BTS, déjà, ça va lui permettre, peut-être, Dieu fait aussi beaucoup de choses, ça peut lui permettre de trouver le travail. Donc, je suis d'accord pour son éloignement de son père. Et ce que je voudrais dire ici, en suivant également ma mère qui a écouté, il a suivi un certain nombre de phénomènes que nous avons tendance à faire la confusion ou pas peut-être à attribuer exclusivement la faute aux hommes. Sans d'autant mentionner, sans d'autant n'oublier de mentionner l'irresponsabilité du papa, parce que moi j'ai préféré ce terme, et je vais vous expliquer en quoi le père est irresponsable. Vous savez, la violence aujourd'hui, il y a une idéologie qui sont mise en place pour essayer quand même de crier haut et fort la violence faite aux femmes. Mais en réalité, les femmes infiltrent, c'est-à-dire que les femmes contribuent davantage les violences sur les hommes. Vous voyez déjà au sein de cette affaire, on peut relever plusieurs types de violences que la femme est en train de faire, non seulement à l'enfant de son mari, mais à son mari. Parce que la femme a cherché à tout moyen, il contrôle, c'est maintenant lui qui contrôle le mari. Et comme il a contrôlé le mari, il est en train de mettre d'abord la violence qui consiste à écarter l'enfant vis-à-vis de son père. Là, c'est une forme de violence. C'est-à-dire qu'une autre forme de violence, mentir au nom de l'enfant qui ne fait pas. Il est bien vrai que si l'enfant arrive à voler, ce n'est pas de cette manière qu'il doit faire. Son rôle d'abord dans la maison de son père est dédiqué. C'est-à-dire que le rôle d'éducatrice, ou pas dédicataire, c'est-à-dire que la femme doit jouer ce rôle-là. Donc, essayer de les amener, les deux enfants, pour dire que voilà comment vous devez se comporter, même si d'autant plus son neveu ne sont pas un voleur, nous avons quand même une fonction des enfants aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'éducation d'une père sans d'autant mentionner aussi l'aspect qui se passe à travers la mondialisation. Voilà plusieurs sortes de violences que la femme est en train de faire. Très bien. Et maintenant, s'il arrive maintenant que l'homme commence maintenant à relever, ce qui va arriver, c'est quoi? On va crier tout fort que les femmes, le mari a fait la violence sur la femme, comme la matière avait dit. Donc, en réalité, c'est la femme qui est moteur. C'est la femme qui produit la violence dans la société. Et en réalité, l'homme subit davantage la violence. Et maintenant, ce qui revient à l'attitude... Vous avez trouvé un bon bouc émissaire ce matin. Ce n'est pas ce phénomène-là. Parce qu'en réalité, les faits sont là. Quand vous analysez, parce que quand on ne vous dit pas comment la violence que les femmes font aux parents, par exemple, l'envoûtement, la femme envoie un homme. C'est une forme de violence. Effectivement. La violence psychologique également. Comment? C'est-à-dire que la femme revient sur un problème de temps en temps. Parfois, l'homme peut même décider de dire un certain nombre de choses sur cet enfant. La femme peut dire également que peut-être qu'il peut même mettre l'homme dans une situation, choisir ton enfant ou pas moi. C'est une forme de la violence que la femme est en train de donner à cet homme-là. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est quoi? Parce que l'homme est irresponsable dans la mesure que tout ce que nous faisons ici est la responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actes. Très bien. Quand tu as décidé de marier une femme, tu es en mesure de connaître. Donc, c'est là pour que l'homme doit assumer sa fonction d'un père. Et un père tient leader. Et d'abord, la gouvernance, dans la période pharaonique, c'est-à-dire que la gouvernance commence dans la maison. Dans la maison. Un homme qui ne gouverne pas sa maison, comment il peut prétendre gouverner d'autres personnes? C'est impossible. S'il a un bouteille, merci il beaucoup, devient un enfant. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemec. Pierre Blériot, comment comprendre qu'un homme puisse arriver à ce niveau? C'est-à-dire, il préfère sacrifier son unique garçon au profit de sa deuxième épouse. Non, ce n'est pas un cas isolé. Si nous sommes 100, 95% d'hommes subissent le diktat de leur femme. Ah bon? Oui. Il y a une réunion des hommes, c'était à Londres. Voilà, tous les hommes se sont retrouvés à Londres dans la nuit. Et le thème à l'ordre du jour, c'était que les hommes qui ne sont pas soumis, qui sont soumis à leur femme se lèvent, se mettent debout. Avant le début de la réunion, qu'ils se mettent debout. Tous les hommes se sont levés, un seul est resté assis. Sur plus de 100 millions d'hommes, un seul était assis, donc remarquable.
On lui demande donc, mon frère, comment toi tu fais pour ne pas être soumis à ta femme? Il dit, quand je venais à cette réunion, ma femme m'a dit que si les gens se lèvent pour une raison ou pour une autre, que je ne me lève pas. Pour lui, c'est plus que la soumission. Même si c'est pour les raisons de la réunion qu'on demande de se lever, il obéit à l'ordre qui lui a été donné. Et je vous assure, il n'y a pas 5% d'hommes dans les foyers capables d'imposer leur charisme à leur épouse. C'est grave, hein, mais c'est la réalité. Vous voyez les grands hommes là dans les bureaux, ils dirigent une structure, ils grondent tout le monde. Dès qu'il arrive à la maison, il fait tout le bruit. Les femmes nous tiennent souvent comme les chiens domestiques. Elle dit non, 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 moi je connais mon type. Laisse-la aboyer. Ses copines sont là, les copines ont même peur. Hey, elle dit laisse. C'est comme ça, ça va lui prendre 15 minutes, je sais comment je vais faire. Alors, revenons au cas de cet enfant. Pour se marier, il faut savoir qui est l'homme, qui est la femme. Et quand un esprit est au-dessus du vôtre, l'épouser est dangereux. Première chose. Deuxième chose, nous sommes dans nos sociétés africaines avec ce que vous appelez là les envoûtements, dont les filtres d'amour. C'est de plus en plus fréquent. Beaucoup d'hommes sont sous l'effet de ce genre de choses. De Tobassi. Et les décisions qu'ils prennent ne sont pas logiques. Il faut reconnaître que certains enfants sont des problèmes pour leur belle-mère, pour la femme de leur père. Certains enfants, quelquefois motivés par leurs mamans qui ne sont pas dans les foyers ou leurs mamans parties. Mais dans le cas d'espèce, la maman est décédée. Donc, ce n'est pas depuis l'outre-tombe qu'elle va pousser son fils à faire des bêtises. Mais il y a même des belles familles qui disent à l'enfant, faut déranger la femme de ton père. Ah bon? Oui. Faut d'abord reclamer. On dit, dérange la femme de ton père. Faut pas que ton père ait la paix avec elle. Faut que ton père se sépare d'elle. Il faut que l'homme soit capable de mettre chacun à sa place. La place qu'occupe l'épouse n'est pas la place qu'occupe l'enfant et vice-versa. Et il faut éduquer vos femmes si vous-même vous en avez le charisme. Ici, l'une de mes épouses a écrit hier sur son statut, la femme de l'homme charismatique s'est levée. Ses copines ont commencé à dire, est-ce qu'il n'est pas charismatique? Vous êtes le premier enseignant de votre femme. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement quand je suis couché? Tu commences à me parler de mon enfant, qui n'est pas ton enfant. Tu commences, dès que tu finis, je te pose la question. Est-ce que si notre enfant que nous avons, toi et moi, fait les mêmes choses, tu vas me faire le même compte rendu? Parce que ce que les hommes ne savent pas, vous ne savez pas, c'est qu'une bonne femme ne dit pas toutes les bêtises des enfants au papa. Le papa est l'instance suprême. On ne peut donc pas accuser un enfant au niveau de l'instance suprême tous les jours. Non. Et quand ce sont leurs enfants, elles couvrent ce que leurs enfants font à la maison. Quand c'est ton enfant qui est venu de dehors, un peu comme ça, Alain a cassé ceci, Alain a fait ceci, Alain n'a pas lavé la voiture. Dinalam, mon nom, tous les jours. Donc, il y en a même qui n'arrivent pas à dormir avec leur mari. Dans les maisons où il n'y a peut-être pas de plafond. L'enfant est couché. Dès que la femme entre avec son mari dans la chambre, au lieu de faire l'amour, tu sais que ton fils, papa, ici, a fait ceci aujourd'hui. C'est-à-dire, l'homme n'a pas le charisme nécessaire pour lui dire, mais arrête de me parler de cette... C'est ça la sorcellerie. Arrête de parler de cet enfant, matin, midi, soir, dans la nuit. Laisse un peu cet enfant vivre d'abord. Et il faut être capable d'éduquer une femme. Il faut mettre un terme à ça. Et si vous avez suffisamment de charisme, vous résolvez ce problème-là. Moi, je n'ai pas ce genre de problème. Effectivement. Mais mec, je n'ai pas ce genre de problème. Et parce que je sais ce que c'est que la femme. Et le malheur que j'ai, c'est d'avoir vécu avec les femmes. Je les ai vues où la femme est très peu amoureuse des enfants. Contrairement à ce que vous dites, l'homme épouse une femme, il la trouve avec des enfants. Il adopte ses enfants. Et il oublie même que ce n'est pas lui qui les a accouchés. Les femmes à 95% sont toujours... Leur problème, c'est l'héritage. Toute leur vie durant,
Elles sont avec nous toujours en train de voir que si Aïssi meurt, si tel Yemer meurt, si tel. Toi-même, tu ne meurs pas. Si tel meurt, si tel meurt. Cette affaire-là, la femme te hante. Il y en a même qui te disent alors, tu fais d'abord ton testament. Et ceci, t'es fait. Mon Dieu, tu ne vis pas à cause de ces gens-là. Tout est rattaché. Et le cas que nous évoquons, on vous a dit que la femme a deux filles. Tout à fait. Et que le garçon est l'unique. Enfant-garçon. Oui. Comme en général chez nous, le successeur, c'est le garçon. La femme voit cela d'un mauvais œil. Pour le combattre. Et puis il est de loin l'aîné de sa petite soeur, de moins 20 ans pour la première, 23 ans pour la deuxième. On voit le gap. La sagesse, madame, consiste ici pour l'enfant à ne pas rester à côté de cette dame. S'il reste là, on va le tuer. Ouais. Il va reconquérir son père étant à l'extérieur. Parce que le mal qui se fait à la maison ne va pas s'arrêter. Le nouveau voleur va continuer. Vous savez, quand vous êtes l'objet des querelles d'un couple, ou de deux personnes, ou des gens, c'est quand vous n'êtes plus là que ces deux-là se rendent compte qu'ils ne s'aiment pas. Tant que vous êtes là, ils vont toujours vous utiliser comme l'objet de leur querelle. Ils doivent se retirer. Moi, je me suis retiré de mes parents, j'avais 21 ans. Je ne crois pas que je m'en trouve très mal aujourd'hui. Il faut même quitter ses parents suffisamment tôt, aller affronter la vie avec tout ce qu'elle a. Quand vous avez réussi, ce n'est pas seulement les enfants qui cherchent leurs parents. Hein. Le papa va revenir. Et qui sait, ce papa-là a peut-être un peu de moyens aujourd'hui avec sa femme. C'est pas sûr que l'avenir soit totalement assuré. Que cet enfant, sans mauvaise idée, se mette à affronter la vie. 27 ans, c'est un âge suffisant. Moi, je me suis marié pour la première fois, j'avais 22 ans. Donc, il ne faut pas qu'il nous dérange. Hein? Et j'avais enfant et autres. Donc, il se met au travail, il se bat, il oublie qu'il doit avoir un soutien de son père. Dieu va le bénir s'il a une belle âme. Et demain, il risque d'être le soutien de cette femme-là. Et quand devenue faible, elle commence à te citer l'amour de Dieu. Que Dieu avait dit que, mais dispose ton cœur à lui faire du bien le moment venu. Effectivement. Bernardo Basson, le jeune homme pose donc un problème de société. Madame Issoumilène est parlé du dos de la cuillère pour dire que ce sont des sorcières. Et elle a d'ailleurs donné la thérapie pour gérer ce genre de sorcières. Maintenant, pour l'homme qui est le mari de cette dame, est-ce qu'il y a quand même quelques conseils à lui donner? Pour le mari, je ne pense pas qu'il y ait des conseils pratiques à lui donner parce que il me semble, au vu de certains éléments, qu'il ne soit plus en totale possession de son mental. Il est dans la bouteille. Il y a des chances qu'il soit envoûté. Parfait, ici, ça veut dire. Parfois, on te met dans la bouteille, on va jeter dans la Sanaga. Ou même dans la mer. Imagine, quelqu'un te met dans la bouteille, il va jeter dans la Sanaga. Non, dans la mer, la bouteille va ressortir. Tu sais, la mer ne retient pas les corps étrangers. Oui, oui, elle les fait remonter. La bouteille, la mer ne retient pas les corps étrangers. La bouteille va ressortir. Mais dans la Sanaga. C'est compliqué. Mais parlant de Sanaga, moi j'ai grandi dans à aider à derrière la Sanaga. Une femme était allée prendre des médicaments chez un marabout pour effectivement envoûter son mari. Sauf que son mari était extrêmement dangereux et très mystique. Chef. Il vit encore, il est là, il m'écoute. Son nom c'est Pierre. Bon. Alors la femme a fait les médicaments, on lui a dit de faire les médicaments et de jeter ça dans la Sanaga. Oui. Elle a fait le médicament, elle a balancé et le médicament est revenu et a frappé sur son visage. Ils ont reconnu à aider. Quand elle mourait, elle pesait 27 kilos. Oh là là. La belle famille est venue. Regarde comment tu as tué notre. On ne l'enterre pas ici. Il dit que je discute quoi sur les os. Ramasser les os, vous parlez. Non. Je ne peux pas. On ne va pas souhaiter que tout le monde soit ici. Mais vraiment, si vous pouviez imaginer, j'ai un oncle qui dit qu'il est magicien. Mais il a 80% de femmes. Quand tu es assis au salon, tu entends seulement là-bas. Elles sont toujours en train de vouloir envoûter leur mari. Envoûter leur mari. Ça, c'est un travail pas possible. Si les hommes savaient à quel point nos épouses quittent les maisons quand nous ne sommes pas là pour aller nous envoûter. Oh là 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 là. Autant la sorcellerie Bernardo du Basson. Mariage est très simple. Parfait, ici, je disais. Permettez quand même, c'est à Bernardo de coller un petit mot. Hein. Allons-y, Bernardo. Ce sont les aînés. Donc. Mais parfait, ici, ce que je voulais dire trois choses. La première, c'est que l'occasion s'y prête. Il n'y a plus de raison d'être naïf.
Vous savez, nous sommes à un moment de l'histoire où les choses sont dévoilées. Les hommes comme les femmes doivent apprendre à se protéger. Ah bon? Pour ceux qui sont religieux, vous voyez, leurs arcanes religieuses, la Bible et le reste, devraient être utilisés régulièrement pour se protéger. Pour ceux de la tradition, avec leurs arcanes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une seule chose guide principalement le monde, c'est l'argent. Et M. Yemek l'a relevé, j'insiste dessus, les femmes aujourd'hui sont essentiellement mues par la question de l'héritage. Elles sont motivées par l'héritage et l'argent. Ce qui fait que lorsqu'elles ont un homme qui a des moyens, comme ce monsieur, parce que ce monsieur est un homme en tenue qui a des moyens, lorsque un homme a les moyens, ce qui se passe, c'est que la femme agit systématiquement pour le maintenir, pour le corrompre et pour l'éloigner de toutes les forces qui peuvent prendre cet argent. C'est un homme en tenue qui agit comme ça. Oui. Qu'on a rendu. On nous disait souvent que les hommes en tenue étaient forts, non? Bon, tu crois que le charisme, c'est dans les muscles? Force physique. Enfin, ici, deuxième chose, c'est que une fois que tu veux devenir orgueilleux et méchant, rappelle-toi que la mort est juste à côté. Si cette femme transpose juste la situation en disant « Ok, moi je décède, mes enfants restent comme ça », vous voyez, elle va choisir vraiment. Sauf que les méchants n'ont pas de prétexte de l'être. Monsieur Yemek a dit qu'il y a des enfants qui sont méchants, qui sont dérangeants avec leur belle-mère, c'est vrai. Mais votre enfant qui devient dérangeant vous force à le sanctionner ou à le punir, mais pas à être méchant. La méchanceté est une maladie de l'âme. Il n'y a pas de raison d'être méchant. Celui qui est méchant est malade. Son âme est inclinée. Pour le jeune homme, il a bien fait de partir de là. Mais il doit travailler à sauver son père. Parce que c'est une famille qui est originaire de la région de l'Ouest. Donc forcément, ce jeune homme a des chances d'être successeur de son père. Et c'est pour cela qu'il est autant combattu par la femme de son père, parce que elle ce sont les gens de Baganté, mes anciens beaux, parce que elle sait pertinemment que à l'issue le jeune homme aura et son père a investi, ça il faut également le dire, les investissements, ça veut dire il y a de l'enjeu. Oui, il y a un enjeu, donc elle est essentiellement guidée par le fait que il faut éventuellement donc partir pour lui est la solution et il doit travailler à désenvoûter son père. Ça, c'est important. Pour les hommes. Parfait. Ici, il y a un monsieur à la brique qui reçoit les femmes en longueur de journée qui viennent le voir pour envoûter les hommes. Ah bon? Il dit à ces femmes, apportez un œuf pour l'homme que vous voulez envoûter et grâce au sable et certaines arcanes, je vais faire envoûter le monsieur. Les femmes portent des alvéoles. Madame Bissobier, là, je dis les alvéoles. Pour aller envoûter leur mari. Vous voyez. Et leur copain. Donc, on vous dit apporter un œuf. Un œuf. Si l'œuf là, c'est quasi à l'œuf. Donc, elle a les œufs et l'équipe réserve. Et vous voyez à quel point les femmes aujourd'hui sont déterminées à assujettir les hommes. Merci bien. Parfait ici. Pour les hommes. Vous êtes un homme, vous êtes marié. Peut-être l'île ne pense pas comme ça. Mais. Monsieur, mon frère est marié. Parfait, je ne sais pas ce que je dis. Je dis bien, si vous êtes chrétien, attachez votre Bible ici. Priez matin, midi, soir. Parce que le dehors est gâté. Si vous êtes la tradition comme chez nous, nous on mange ça. Donc dans la nourriture, tu manges les antipoisons, les anti-envoûtements. Il y a même un rituel chez nous. Le rituel des hommes qu'on te fait. Ça te rend dur. Ayez le courage de mettre vos femmes au pas. Dans la maison, si un ministre de l'Intérieur, il y a un chef de l'État. On va lire les messages. Nous commençons par l'Algérie, le 213. Je suis très en colère. Cette femme est une sorcière et elle est une femme méchante. Méchante du fait que cet enfant soit le premier fils de son mari. Et toute cette colère et cette aigreur envers ce garçon, c'est parce qu'elle sait que le garçon sera l'héritier de cet homme. Cette colère tourne autour de l'héritage. Et cette sorcière de femme a déjà tout calculé et tout prévu jusqu'à la couleur du cercueil et de la veste que son mari va porter le jour de son enterrement. Tout à fait. Le gars de Rangéris. Cet homme parfois agit comme ça pour protéger son fils car il sait très bien que cette femme est capable de tuer son fils et que le fils s'apprête à faire la peau dure à cette femme et qu'il entre en guerre avec elle. Marabout contre marabout, sorcellerie contre sorcellerie, conspiration contre conspiration. Et je vous assure que le fils va gagner la bataille car il est dans la vérité. S'il est donc dans la vérité, c'est la voie là qu'il doit éviter. Effectivement. Oh là 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 là, il doit l'éviter. Sinon, son père va mourir avant le terme. Sinon, ou encore lui-même.
Parce que la femme connaît déjà des réseaux que lui ne connaît pas encore. Autre message, même sans eau à Banganté, on va toujours vivre. Et vraiment, M. Pierre Blériot m'a souvent énervé par ses propos, mais ce matin, il devient mon ami à cause de son franc-parler, ayant donné de bonnes explications concernant cet enfant. C'est Raymond depuis Banganté. Autre message ce jour, bonjour mes leaders, ce problème est vice-versa. Ma petite sœur a eu un enfant qui a aujourd'hui 9 ans. Elle a fait la rencontre d'un gars qui a refusé son fils de 9 ans. Non, là, c'est pas un problème. Si quelqu'un refuse, c'est pas la maltraitance. C'est son droit. Nous partons au 352. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour, le continental des modérateurs. Je suis Philippe Michel Boumiem, depuis le Luxembourg, où tous les membres permanents d'Espace Miné seront la bienvenue à l'occasion de leur passage au Luxembourg. Je leur promets un repas chaud à ma table avec toutes ces commodités. Merci et agréable journée à vous. S'il ne parle pas des filles à côté, qu'il laisse ça. Avec ses commodités. On mange, on dort. Il a parlé des commodités. Comment faire pour arriver au Luxembourg? On demande un visa. Et qui paye les billets d'avion? Mais quand vous serez de passage au Luxembourg... Il n'a pas dit qu'il vous invite au Luxembourg, pas fait Aïs. Aïs. La probabilité pour que j'aille au Luxembourg, tant que zéro. Bonjour les démineurs, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Blériot. Il faut mettre au pas ces femmes, ces Biwili, Olembe, et qui envoient le message. Autre préoccupation ce jour, je parle 226, c'est le Burkina Faso. Qui est connecté, qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à l'ensemble de vos panélistes. Permettez-moi de revenir sur le problème de carburant évoqué mardi sur votre plateau. Je n'avais pas eu la chance que mes messages soient lus cette semaine. C'est un phénomène général en Afrique, pays producteur de pétrole, mais souffre de l'absence de pétrole et produits dérivés. Pour résoudre ce problème, il faut que les autorités augmentent les capacités de production des raffineries, par exemple la Sonara, pour pouvoir transformer la part de l'État, surtout qu'au niveau des contrats pétroliers, il s'agit de contrats de partage de production CPP, donc plus simple à obtenir comme matière première pour nos raffineries, en produits dérivés pour l'utilisation des pays respectifs, voire exportés vers les pays voisins. Source de revenus pour le pays avec réduction du chômage, et qui est un thème du mercredi, dont le problème est seulement la méconnaissance ou l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Pour la dénonciation, je pense que le jeune homme doit s'éloigner le plus loin possible, se forger une personnalité, gagner sa vie pour revenir s'occuper de ses sœurs. Ne jamais céder ni à la vengeance, ni à la rivalité avec qui que ce soit. La meilleure manière, c'est de revenir étant plus fort, riche, et tout changera en sa faveur. Pour le sujet du jour, car je sais que je n'aurai pas la chance deux fois le même jour. C'est bien. Bon, on va lire. Je voudrais dire que la décoration à titre posthume est nulle, et car c'est juste une manière pour les autorités de se laver la conscience et vouloir réparer un tort. Sinon, si quelqu'un mérite, donnez-lui cette reconnaissance pendant son vivant. Aimons-nous vivants. C'est comme prendre des millions pour faire des funérailles de quelqu'un qui n'avait rien à manger de son vivant. Merci à tous. C'est Kabori, Dieudonné, Ouagadougou au Burkina Faso. Autre message ce jour, je repars au 352, hein. Le Luxembourg est de plus en plus connecté. Un bonjour à toi Perfecto et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce jour, je tenais une fois de plus à féliciter votre consultant de tout temps, Blériot Niemek, pour sa sagesse et son intelligence exceptionnelle. Sa manière de penser et d'aborder les sujets est vraiment inspirante. Chapeau à lui et vivement que ce grand homme continue de briller. Bien des choses à mon ami Bernardo qui me néglige depuis un bon moment. C'est Lionel Témoin du Luxembourg. Tu connais Lionel? Oui. Ah, d'accord. Lionel,
du Luxembourg. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et à ton panel concernant la communauté de la CRTV suite à la non-diffusion du match. Blériot, en tant que directeur de la communication à la CRTV, aurait conseillé quoi au directeur général? C'est Steve depuis la Cité Verte. J'avoue que ce n'est plus un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Je pense que nous avons pris ce sujet dernièrement. Blériot, pour nous, ça va, non? Mais j'ai dit ce que j'avais voilà, à dire, non? Vraiment. Parce que... Nous n'aimons pas habituellement être redondants. Hein. Et je ne sais pas. Nous ne focalisons pas sur les gens. Il ne faudrait pas que vous croyiez que c'est un problème, que nous n'avons rien contre la CRTV. Il faut arrêter ça. Hein. Pourquoi vous voulez nous coigner les têtes, Charles Ndongo et nous? Pourquoi vous voulez ça? Charles Ndongo était un très grand frère. Donc, moi, je ne parle non plus de ça. Je préfère lire des messages un peu plus commentés. Et je tombe sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, un petit souci avec mon appareil dernière génération. Tous les jours. Cet appareil est capricieux lorsqu'on envoie des messages. Non, je crois que les gens du Luxembourg doivent... Parfait, ici, globalement, je voudrais également sortir par un élément. À vous profiter la modernité, de la défaillance de mon appareil pour parler. La modernité doit se comprendre au lieu de s'entendre. Moderne, ce n'est pas ce qui est nouveau. C'est ce qui est utile. Une chose peut dater de 1000 ans. Tant qu'elle reste efficace et utile, elle peut être considérée comme moderne. Il y a un style d'homme qui se considère comme moderne et évolué. Et qui supporte les pressions, les chantages et les caprices des femmes. Parce que les femmes font une chose dans la relation, c'est manipuler. Les femmes ne manipulent pas les émotions. Dès qu'un problème se produit, elles jouent la victime, elles se victimisent, elles te manipulent, tu tombes. Que certains arrêtent de penser qu'on est moderne en disant que non, moi, ma femme, elle est libre, elle fait ci, elle fait ça. Il y a un niveau de restriction à imposer dans la relation. Et si tu as un enfant, monsieur, il m'a toujours blâmé pour un cas similaire, mais je le dirai en off. Si tu as un enfant avant d'être en relation et que tu as l'impression que ta femme veut le torturer sans voir les démons partout, sans être excessif, mon ami, tu la recadres là, sur le champ, sans avoir des mots débordants. Tu lui dis que non, là, tu arrêtes. T'es. Parce que si tu continues là, ça va mal finir. Mieux, il faut être vrai comme ça. Souvent, les gens aiment dire que non, moi, je suis moderne, les affaires des blancs et tout, on tue ça. Il faut respect. L'enfant et la femme ne bagarrent rien. Ils n'ont aucune compétition. La femme, tu l'aimes d'un amour, l'enfant de notre amour, et ils sont complémentaires. Si les sorcières, certains, il y en a. Veux déranger, on les traite. Nous repartons du côté de l'Algérie, où un autre téléspectateur est connecté. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Lisez cet extrait important de la Bible du Satan, verset 1. La Bible du Satan. Allez-y, lisez. Verset 1. Et qui est porteuse de lumière, surtout que c'est la journée internationale de la Bible. En conseil de tous les dieux s'est réuni. Il fut décidé de créer des êtres humains à leur ressemblance dans le seul but d'être soumis et qui seront pour eux des esclaves. Il crée l'homme. L'un des dieux qui est Satan s'éprend d'admiration pour la créature et proteste contre la cruauté avec laquelle les autres dieux traitent les humains. Il ne veut pas les voir réduits en esclaves et intervient pour les protéger. Mais il ne dispose pas de la majorité au conseil. Avec l'aide des autres dieux qu'il réussit à convaincre, il crée une confrérie d'opposition nommée Vonfrérie du serpent. Oh, dommage, le message ne s'achève pas. Hein. On va faire un effort de le lire un autre jour. Je prends un verre d'eau.